d'abord, ce qu'on peut dire, c'est que les 68ards et ex-68ards savent tenir la tribune et capturer la parole. On vient d'en avoir un exemple magnifique aujourd'hui, puisqu'il a même été applaudi par la salle, quoique étant quand même, je crois, en retrait, bon, par rapport à ses, c'est le moins qu'on puisse dire, par rapport à ses engagements de l'époque. Ce qu'on peut... On l'a vu, dit-on, agiter un pistolet à la tribune à la grande époque, mais... Voilà, quelques applaudissements, beaucoup plus clairsemés, je le note. Non, je pense effectivement qu'il y a surtout plusieurs mai 68, que la construction d'une, d'une pensée 68, d'un mouvement 68, elle est totalement a posteriori. Parce qu'il n'y a effectivement pas grand-chose de commun entre des libertaires à la Cohn-Bendit, à la Gessmar, à la Goupil, qui de fait sont retournés à leurs affaires ultérieurement aujourd'hui, hein, qui ont à peu près tous voté pour Emmanuel Macron dès le premier tour en 2017. Et puis, les trotskistes, les maoïstes qui... certains sont du reste restés fidèles à leurs engagements de l'époque. Hein. Je pense à un autre fondateur de la LCR, Alain Krivine, qui depuis est devenu le cofondateur du nouveau parti anticapitaliste, le mentor d'Olivier Besancenot, etc. Donc tout le monde n'a pas changé de camp. Dans ces groupuscules, en effet, beaucoup plus durs, beaucoup plus politisés, un tout autre esprit régnait. On a du mal à se le figurer. Et d'ailleurs, le Parti communiste, il faut le dire, était très hostile au mouvement emmené par Cohn-Bendit. Krivine raconte ainsi qu'un jour, il a essayé d'emmener toute une délégation d'étudiants de la Sorbonne à Boulogne-Billancourt et qu'ils ont trouvé pour déjà opérer la convergence des luttes et qu'ils ont trouvé porte close parce que le PC et la CGT avaient ordonné qu'on ferme les portes. Mais alors vous, qu'est-ce que vous retenez? Alors moi, vous choisissez dans tous ces... Donc nous sommes tous des groupuscules, je crois que c'était un des mots d'ordre des les manifs à Denfert-Rochereau. Vous, qu'est-ce que vous, moi, le vous choisissez? Moi, le mai 68 qui me touche le plus et qui me semble le plus productif intellectuellement encore aujourd'hui, c'est celui des situationnistes, c'est celui de l'international situationniste, c'est celui de Injiru Mimous Nocte, c'est de Debord. C'est la critique radicale de la société consumériste et spectaculaire. Cette critique-là, elle n'est absolument pas datée. Elle a une postérité aujourd'hui aussi bien à gauche que dans certaines franges de la droite, d'ailleurs. Et elle est toujours extrêmement intéressante. Alexandre Devecchio, vous êtes notre troisième débatteur dans cette table ronde consacrée donc à la pensée 68. Vous êtes journaliste au Figaro, vous occupez de Figaro Vox. Il se trouve que pour vous, non pas comme Aude Lancelin le dit, il y aurait des gens qui auraient changé de camp et d'autres qui seraient restés dans le camp de leurs idéaux de 68. Pour cette révolte de la jeunesse, qui en particulier au départ, mais 68, comme le soulignait Henri Weber, pour vous, c'est carrément toute la jeunesse qui a changé et qui est devenu soit disciple de Dieudonné, soit de Éric Zemmour, soit Cato et Réa. Qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer, comment intellectuellement vous expliquez cette métamorphose de la jeunesse qui était massivement de gauche et qui serait aujourd'hui massivement de droite? Je ne sais pas si elle est massivement de droite, mais en fait, je rejoins assez ce qu'ont dit mes deux camarades, surtout Henri Weber. Il y a eu plusieurs mai 68. Il y a eu un mai 68 ouvrier, mais c'est absolument pas ce mai 68-là qui a gagné. C'est le mai 68 des fils à papa du quartier latin. Et d'ailleurs, Jean Ferrat l'avait bien vu dans sa chanson « Pauvre petit con ». Il disait « Fils de bourgeois ordinaire, tout vous est acquis, surtout le droit de vous taire pour parler au nom de la jeunesse ouvrière ». Donc ce qui était au départ une utopie collective a débouché sur un individualisme radical, je crois, et pour preuve, effectivement, Macron est l'héritier de mai 68 et il est soutenu par d'anciens 68ards, soit Daniel Cohn-Bendit ou Alain Madelin, qui sont les deux faces, finalement, de l'idéologie. Alain Madelin n'était pas un sexo-gauchiste, rappelons-le, il était parti du groupe Occident. Ils n'étaient pas dans le même camp à l'époque, mais aujourd'hui, ils se retrouvent parce qu'ils forment les deux faces de l'idéologie libérale-libertaire, qui est celle de Macron.
On a vu très bien, Jean-Pierre Le Goff l'a montré, que dans les années 80, on retrouvait dans les discours managériaux, dans l'idéologie managériale, des slogans de mai 68. Donc ce qui a triomphé, c'est deux choses, le gauchisme culturel et l'autonomie individuelle qui, à mon avis, aujourd'hui est poussée à l'extrême et qui atomise les individus. Et là, j'en reviens à l'idée d'ubérisation. Et je crois que toute une partie de la jeunesse, aujourd'hui, souffre de ce bouleversement des repères traditionnels. Donc je ne sais pas si elle est de droite ou de gauche, mais il y a une minorité, effectivement, qui est une jeunesse mondialisée, sans frontières, qui s'épanouit dans ce nouveau monde, et une autre qui souffre de l'absence de repères. Et c'est vrai que ça, aujourd'hui, les mouvements de radicalisation sont plus tellement vers la gauche, à part sur le mode parodique à Tolbert. Vous parliez tout à l'heure de l'islam politique, sans doute ce qui est aujourd'hui de l'idéologie la plus réactionnaire possible, la plus patriarcale possible. Et je pense que c'est une réaction à cette atomisation, à un mouvement de balancier qui peut être d'ailleurs inquiétant. Effectivement, on a vu dans la Manif pour tous une forme de mai 68 conservateur avec la génération du divorce qui s'est là aussi élevée pour qu'on ait un minimum de repères. Bien au-delà de la question du mariage homosexuel, je pense qu'il y avait une angoisse face à l'extension, à la marchandisation de la vie. Et ensuite, il y a effectivement toute la jeunesse de la France périphérique, dont on parle peu dans les médias, qui a voté majoritairement Marine Le Pen, et qui là est en rupture avec une mondialisation qui broie finalement tous les attachements vitaux et toutes les protections. Henri Weber. Oui. Il n'y a qu'en France qu'on assiste à une pareille commémoration. Dans aucun autre pays, tous les 10 ans, il n'y a pas cette profusion de livres, dont le mien, que je signale, Robert Jeunesse, Jeunesse. Voilà. Et de films. Bon, bien. Pourquoi en est-il ainsi? Oui, d'accord, oui. Parce que, contrairement à ce qui vient d'être dit, dans la mémoire collective des Français, il vient de sortir d'ailleurs plusieurs sondages, plusieurs enquêtes d'opinion, dont un dans le magazine littéraire, qui montre que 75% des sondés considèrent que les conséquences de mai 68 ont été largement positives. Mai 68 est associé à un moment de grande conquête sociale et démocratique. Et mon voisin a tout à fait tort. Là, en mai 68, c'est la plus grande grève générale, la plus puissante de l'histoire de France, avec occupation d'usines, avec les salariés qui s'auto-organisent dans les entreprises et qui débattent non seulement de la stratégie de leur entreprise, mais du sens de l'économie. Et ça s'est soldé par une quantité de conquêtes qui ont changé la condition ouvrière dans ce pays. Qu'il s'agisse du travail, la mensualisation des salaires. Mon voisin le sait peut-être pas, mais avant 68, les salaires n'étaient pas mensualisés. On pouvait travailler à la journée et même à la pièce. Les employés étaient mensualisés, mais pas les ouvriers. Grande conquête, la reconnaissance de la section syndicale d'entreprise qui permet d'asseoir un pouvoir salarié dans les entreprises. L'augmentation du SMIC de 35% et toute une série... Tout ça par Georges Pompidou. Certainement, mais poussé dans les reins par la crainte d'une réédition d'un mouvement social de la même nature. La formation professionnelle pour adultes, la formation permanente, un grand nombre de conquêtes. Et sur le plan sociétal et sur le plan démocratique, les conquêtes sont énormes. S'agissant du droit reconnu aux femmes de disposer de leur corps, la contraception, l'interruption volontaire de grossesse, le droit d'ouvrir des chèques en banque de façon autonome, et puis d'une façon générale, le mouvement féministe, à mon sens, le mouvement féministe est la plus grande révolution effective du siècle dernier.
Parce que, comme le disait Finkielkraut tout à l'heure, c'est une révolution anthropologique. Le changement du rapport entre les hommes et les femmes et la longue marche des femmes vers l'émancipation et la parité, c'est aussi, non pas une conséquence de mai 68, mais mai 68 l'a considérablement accéléré. Le festival Imagine, non mais en direct nous entreprenons. Là, très franchement, je crois que 1968-2018, l'esprit de mai. Pau de Lancelin. Très franchement, là, je crois qu'on est en train de tout mélanger. Nous sommes dans une table ronde, la pensée 68. Écoutez, Monsieur Weber, tout ce qui est positif dans la société française jusqu'aux années 90 sort de mai 68. Ce qui est quand même paradoxal, puisqu'il a tourné le dos à ses engagements de l'époque et à ses événements. Donc, attendez, vous avez eu longuement la parole. Je le reconnais. Voilà. Donc, moi, je suis d'accord avec Alexandre Devecchio sur ce point. Je pense que les célébrations de 68, elles sont totalement superficielles. C'est ça l'écume. Il n'y a plus que les médias d'ailleurs qui gardent le souvenir de 68. Dans la mémoire ouvrière, 68 a été complètement occulté, presque autant que la Commune, alors que c'est beaucoup plus récent, alors que c'était la plus grande insubordination ouvrière de l'histoire française, avec le drapeau rouge qui flottait sur toutes les usines du pays. Et ça, de la mémoire ouvrière, cela a totalement disparu. Comment vous l'expliquez que ça ait disparu? Il y a eu une trahison de la gauche? Absolument. Il se trouve que les gens, les baby-boomers, justement issus de 68, qui bon, comme nous avons peu de temps, je vais à grands traits. Mais allez-y à grands traits. Je caricature un peu, mais on est vraiment dans cet esprit-là. On trahit la classe ouvrière. Et n'ont gardé que le volet de 68 libéral, libertaire. Comme je viens de le montrer. Il les a rangés. Pour le reste, qu'est-ce qui s'est passé? Pour le reste, ils se sont ralliés dans un premier temps, plus ou moins ouvertement, à Nicolas Sarkozy, puis maintenant à Emmanuel Macron. Or, quel était le discours de Nicolas Sarkozy en 2007, à Bercy, par exemple, sur mai 68? Il faut tourner la page de mai 68, il faut liquider mai 68. C'est de là que sortent tous les maux de la société française. C'est le vrai chaudron des sorcières, le culte de l'argent roi, la spéculation, l'individualisme, le consumérisme, etc. Voilà ce qu'on répète aux gens, voilà ce qu'on répète aux Français en réalité depuis des années. Et je ne pense pas que la période actuelle marque une rupture quelconque par rapport à ça. Il y a quelques jours de cela, je lisais l'entretien du président de la République dans la NRF, dans la Nouvelle Revue Française. Et il critiquait le postmodernisme au nom de la nécessité de restaurer pour l'État, pour le pouvoir, un pouvoir de décision fort et vertical. Et on était typiquement entre les lignes d'une déconstruction de tout le discours de 68 sur le pouvoir. Donc je pense qu'à cet égard, et ce n'est pas un hasard que le pouvoir qu'Emmanuel Macron ait renoncé finalement à commémorer 68, on est depuis 2007, dans la même lignée, en définitive. Oui, le public applaudit abondamment. Il y a cette question aussi du fait que les 68ards, comme vous dites, ils étaient contre les pères, ils voulaient aussi faire partir toute une génération de vieux. Et puis un jour, les 68ards sont devenus vieux, et puis on s'est rendu compte qu'eux-mêmes avaient des capacités formidables pour s'accrocher un peu partout dans le monde politique, dans le monde médiatique. Il y a plusieurs générations d'ailleurs qui se sont senties étouffées par les 68ards qui ne voulaient pas partir. Alors c'est à vous que je m'adresse, Alexandre Devecchio. Nous, la jeunesse, qu'est-ce qu'on peut dire aux 68ards qui n'ont jamais voulu, eux, passer le relais comme ils auraient aimé à l'époque qu'on leur passe le relais? Ou comme ils l'ont pris d'eux-mêmes, d'ailleurs. Moi, je crois que ce qui est encore plus grave que de s'être accroché aux manches, c'est peut-être précisément d'avoir refusé de transmettre un héritage culturel. Puisque les 68ards, même s'ils ont fustigé la notion d'héritage, voulu tuer les pères, ils étaient eux-mêmes les héritiers d'une vraie culture classique qui les a permis précisément de s'émanciper et d'arriver au pouvoir où ils sont. Et je trouve que ce qui est dommage,
notamment dans l'école et notamment pour les classes populaires, c'est qu'il n'y a pas eu volonté de transmettre cet héritage-là et que sans doute une partie de notre génération n'a pas les outils nécessaires finalement aujourd'hui pour déloger ces 68 arts qui sont au pouvoir. Cela dit, j'observe que leur hégémonie culturelle est quand même aujourd'hui un peu à bout de souffle. Malgré les sondages, on voit bien que les livres autour de 68 ne marchent pas très bien. On voit bien, je le disais tout à l'heure, qu'il y a une nouvelle génération qui émerge et qui est extrêmement critique à l'égard de l'héritage de mai 68. Donc je crois que c'est un mouvement qui est à bout de souffle. Reste à savoir si notre génération a vraiment les outils pour proposer une alternative crédible. Il y a une chose dont on parle ensemble autour de cette table ronde ici au Centre Pompidou, dans le cadre donc, du festival Imagine, où souffle l'esprit de mai. L'intitulé de notre marathon radiophonique, c'est « Les révolutions culturelles ». On parle beaucoup de la dimension culturelle dans aussi ces applications politiques, mais on n'a pour l'instant pas parlé d'une chose qui est très présente dans la société française d'aujourd'hui, c'est la question de la violence. Il y a la violence terroriste, il y a la violence politique, qui est utilisée à l'occasion par certains militants et des militants de tous bords. J'aimerais qu'on dise quelque chose, Henri Weber, avec vous peut-être pour commencer, de la présence de la violence dans cette pensée 68. Il y avait ces slogans magnifiques, un flic sous vos roues, c'est plus doux, ou le drapeau ne sera rouge que quand le sang aura coulé. Il y avait bien sûr, enragez-vous. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'impact de la violence? Parce que c'est posé aussi la question de la violence terroriste à un certain nombre de militants de 68. Voilà, quelle est la place de la violence en 68 et surtout, dans quelle mesure elle infuse jusqu'à aujourd'hui? Alors, moi, je suis resté fidèle et je souhaite continuer le travail de démocratisation et de libéralisation de la société, le travail aussi hédoniste et épicurien. Ça, ce sont les deux moteurs qui continuent à marcher et qu'il faut continuer à nourrir. Mais je ne suis pas un 68ard béat. Et s'il y a une critique à faire à ce mouvement, c'est précisément sa valorisation de la violence comme méthode d'action. La conception que notre société, je parle de l'écume, je ne parle pas des profondeurs de l'océan, mais les groupes gauchistes étaient tous convaincus qu'on ne peut pas transformer cette société sérieusement sans avoir recours à la violence, et y compris à la violence armée. Mais c'était votre avis à l'époque ? Absolument. Et je vous explique pourquoi. Parce que ma génération a grandi. Elle est née avec la bombe d'Hiroshima. Elle a grandi avec la course aux armements et la guerre froide. Elle a connu 1962, la crise des fusées à Cuba, où on a failli avoir une guerre nucléaire. Et elle a surtout été contemporaine des mouvements de libération nationale et sociale. Des dizaines de peuples colonisés, dominés par les impérialismes occidentaux et soviétiques, se sont saisis des armes pour se libérer et au prix de guerres sanglantes et cruelles, sont parvenus à accéder à l'indépendance. Et nous avons constaté que nos classes dirigeantes n'avaient pas compris qu'il valait mieux passer des compromis avec ces peuples plutôt que de leur opposer des fins de non-recevoir et de les acculer à la violence armée. C'est tout à fait clair pour le Vietnam, car Ho Chi Minh voulait un accord avec la France. C'est tout à fait clair pour l'Algérie. Et c'est ce qui nous a convaincus qu'avec les classes dirigeantes, la méthode pacifique par la conviction et par le compromis n'aboutissait à rien. Chris Marker avait produit un film à l'époque qui s'appelait « Le fond de l'air est rouge » et qui parlait de cette situation. Et un autre film latino-américain parlait de l'heure des brasiers. Nous étions tous fascinés par la révolution cubaine. Qu'est-ce que c'est que la révolution cubaine? C'est Fidel Castro et 150 guérilleros qui débarquent dans la jungle et qui conquièrent le pouvoir au terme d'années de lutte violente. Et nous étions en effet fascinés par la violence, nous avions pour certains le fétichisme de la violence, et c'est pourquoi que dans toute une série de pays, l'Italie, l'Allemagne, le Japon, les États-Unis, la fête juvénile a sombré dans les années de plomb du terrorisme. Heureusement, en France, nous avons évité cela pour des raisons sur lesquelles je pourrais m'étendre, mais nous n'avons pas le temps, sinon je vais me faire morigéner
par ma voisine de droite, a juste raison, et c'est pourquoi je lui donne la parole. Paul Lancelin, revenons un peu à aujourd'hui. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir une solidarité entre ces jeunes de mai 68 qui veulent la révolution, qui veulent aussi une forme de violence, et des jeunes aujourd'hui aussi qui bloquent les universités, des zadistes qui quand même aussi s'engagent de manière assez violente politiquement? Est-ce qu'il y a une filiation possible entre ces mouvements? Alors d'abord une toute petite réponse à Henri Weber sur la question de la violence. Je pense que cette génération-là, dont souvent les trotskistes de mai 68 sont devenus des néoconservateurs hein, sur le plan de la politique étrangère, et donc sont restés fascinés par la violence d'une certaine façon, sauf que maintenant ils l'exercent à l'extérieur du pays en soutenant des bombardements en Irak. Je pense à Romain Goupil, je pense à... Mais alors justement, je vous pose une question, du coup, une autre question qui est, est-ce que vous ne pensez pas que ce monde mai 68, c'est la première bascule de l'américanisation aussi de la France et des élites françaises? Vous le dites très justement, ces gauchistes sont devenus des néoconservateurs, ils ont soutenu les néoconservateurs. Est-ce qu'il n'y a pas un premier mouvement d'américanisation de la... Je dois dire que tout a été dit 10 ans après les événements de mai par Régis Debray, dans un texte qui reste totalement précurseur et à lire, et où avant Luc Boltanski, il révèle ce que la part de 68 contenait de néolibéralisation, d'américanisation, etc., et finalement d'imposture sur le fond. Et pour revenir à cette question de la violence, encore une fois, je ne pense pas du tout qu'elle soit aujourd'hui résolue, y compris chez les gens de cette génération-là, puisqu'ils trouvent tout à fait normal de soutenir des bombardements, y compris population civile, en Irak, en Libye et aujourd'hui en Syrie. Voilà, donc la question, la violence qui n'est plus supportée, la violence qui... La violence. Des réactions dans le public à vos propos, Aude Lancelin. Oui, je les maintiens. Moi, j'ai toujours été contre la guerre d'Irak, qui a été ardemment soutenue par les. Mais on parle de la violence interne. Oui, et bien justement. Mais alors, la violence externe et l'externalisation de la violence, c'est aussi une des vraies questions. Là, on est plutôt chez Schmitt, mais. Exactement. Exactement. Parce qu'à l'intérieur du pays, évidemment, la violence n'est plus supportée. Ce qui est supporté, c'est la violence de classe. Ce qui n'est plus supporté, c'est que la population ouvrière y réponde. Et à cet égard, je vous renvoie factuellement à la somme de l'historien Xavier Vignat sur l'insubordination ouvrière pour savoir à quel point le mai 68 ouvrier fut violent, à quel point il y a eu des séquestrations de patrons de plusieurs semaines. Il y a eu, les CRS se sont absolument déchaînés dans certaines usines. En face, de part et d'autre, il y a eu de la violence. Tout ça, on l'a refoulé, on n'en garde plus le souvenir non plus. Mais il n'y a pas de lutte véritablement, il n'y a pas de lutte de classe sans poser la question de la violence. Et il ne faut pas être dans un angélisme total à cet égard. On peut avoir les mains propres, mais on n'a plus de mains du tout. Et c'est un peu ce qui est arrivé aussi à la classe ouvrière aujourd'hui. La classe ouvrière qui aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'elle vote non plus complètement à gauche, en tout cas elle vote moins à gauche qu'avant. Est-ce que c'est justement Alexandre Devecchio parce que la gauche aurait à un moment oblitéré le fait que son principe fondateur, en tout cas son but, était justement la lutte des classes? Oui, je pense que c'est tout le problème. Hein. Pour citer à nouveau Régis Debray, 10 ans après mai 68, il refusait de commémorer l'anniversaire puisqu'il avait dit que ça a été le berceau d'une nouvelle bourgeoisie. Aux États-Unis, la rupture est encore plus nette. Il y a un livre très récent qui sort aujourd'hui qui s'appelle « Pourquoi les riches votent à gauche » de Thomas Frank, et qui montre très bien que dès 68, le parti démocrate décide, démocrate américain, décide de liquider l'héritage de Franklin Roosevelt, de liquider les syndicats pour laisser place aux jeunes qui avaient milité contre la guerre du Vietnam et faire un parti finalement d'experts, de jeunes diplômés de Harvard. C'est un parti, ensuite on va assister au mariage, je dirais, entre Wall Street et les technocrates de Washington. Donc ça, c'était une évolution qui va extrêmement vite aux États-Unis. En France, ça met plus de temps à arriver. Je pense que l'institutionnalisation de mai 68, c'est les années Mitterrand, le tournant de la rigueur en 83.
on renonce là à la lutte des classes, à toute ambition sociale. Il faut trouver des idéologies de substitution. Ça va être d'un côté l'Europe et de l'autre un antiracisme un peu devenu fou, puisque là on est dans l'extension à l'infini des droits individuels, mais ça n'a plus rien à voir avec la lutte des classes. Et surtout, la base sociologique du Parti Socialiste change. En France, on dit effectivement les bobos. Les ouvriers ne sont plus défendus face aux délocalisations et ont choisi de s'adresser aux diplômés, aux cadres supérieurs, et ont choisi effectivement la société de la mobilité dans laquelle on est. Je crois que la suite de l'hédonisme libertaire 68-art, c'est l'ubérisation et la mobilité. Donc effectivement, on a troqué le gouvernement du peuple pour le gouvernement des experts. Bon, Henri Weber, la parole est à la Défense quand même. Vous étiez révolutionnaire hier, vous avez publié un éloge du compromis en 2016 aux éditions Plomb. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Qu'est-ce que la gauche a fait? Qu'est-ce qu'elle n'a pas fait? Alors je vais vous dire ce qui s'est passé. C'est qu'il n'est pas défendu d'avoir des expériences politiques et d'y réfléchir. Rien n'est défendu. Voilà. Alors, j'ai acquis la conviction, sur la base de notre expérience et de l'étude du XXe siècle, et même du XIXe, que les sociétés démocratiques avancées d'Europe occidentale et quelques autres qui ont un état de droit, qui sont des démocraties où on peut rejeter les dirigeants. Et l'exemple qu'on vient d'avoir l'année dernière, où un homme sorti de rien a éjecté les candidats des principaux partis qui sont là depuis un demi-siècle... Emmanuel Macron sorti de rien, ne nous faites pas rire quand même. Alors, chers amis, quand je dis qu'il est sorti de rien, je veux dire qu'il est sorti d'aucun univers politique. Conseiller de François Hollande à Bercy, bon, peu importe, Inard, peu importe. Banquier de la France. Ce qui définit la démocratie, c'est la capacité, c'est la possibilité de renvoyer les gouvernants par une méthode démocratique et électorale. Et nous avons fait ça à plusieurs reprises. Bon, et donc, dans nos démocraties développées occidentales, le recours à la violence des armes pour transformer la société est un non-sens. Or, nous tous qui étions gauchistes en 1968, mais nous étions pas... pour le recours à la violence des armes. C'est pas la question et beaucoup y sont passés. Donc, moi, je suis passé du marxisme révolutionnaire à la social-démocratie. Car dans le débat qui a opposé les léninistes, les communistes, aux sociodémocrates au XXe siècle, ce sont les sociodémocrates qui ont eu raison et ils ont considérablement amélioré la condition du salariat dans l'ensemble de l'Europe et en particulier en France, et ils ont considérablement amélioré la douceur de vivre dans nos pays. Henri Weber, depuis tout à l'heure, à propos de cette pensée 68, on discute, et parfois le ton monte, on s'écharpe un petit peu, sur une public, surtout, famille politique qui est la gauche de l'échiquier politique français, et des citoyennes et des citoyens dans leur sensibilité politique. Alexandre Devecchio, je le disais, vous êtes journaliste au Figaro, vous occupez de Figaro Vox. Il faut aussi peut-être dire quelque chose de, rapidement, puisqu'on arrive à la fin de cette séquence, de la pensée 68 à droite. Il y a des historiens comme Todd Shepard, par exemple, qui soutiennent que c'est le moment aussi, à droite, d'une réconciliation, d'un rapprochement entre la droite gaulliste et l'extrême droite, qui avait jusqu'ici ce que d'aucuns appellent des obsessions algériennes, qui ne digéraient pas l'indépendance algérienne. Et puis tout d'un coup, on va se rapprocher entre droite et extrême droite. Et est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, un certain rapprochement entre une droite républicaine et l'extrême droite serait dans la continuation, peut-être héritière, elle aussi à sa façon, d'une pensée 68, mais à droite? Non, moi je crois pas. Je crois que 68 est justement où la droite abdique. On a une droite gaulliste qui n'est pas une droite de l'argent, qui est une droite des valeurs. Et en fait, dans la continuité de 68, il va y avoir la démission du général de Gaulle, due en grande partie à la trahison de Valéry Giscard d'Estaing, qui est justement, qui incarne une aile libérale européenne qui arrivera au pouvoir un peu plus tard et qui sera l'un des meilleurs héritiers de mai 68. Donc je pense qu'il n'y a pas du tout de rapprochement entre la droite et l'extrême droite, mais il y a une soumission
de la droite aux valeurs 68A. Ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est, je crois, à une recomposition politique beaucoup plus globale. On a d'un côté, finalement, le parti de la France qui va bien, de la mondialisation heureuse, des grandes métropoles qui s'assument comme telles à travers Emmanuel Macron. Il est en train de se constituer un bloc qui tente de s'adresser effectivement aux perdants de la mondialisation. Et peut-être que la droite trouvera, c'est mon souhait, un discours, retrouvera un discours social et étatiste qu'elle avait oublié depuis le général de Gaulle. Merci beaucoup à tous les trois, Aude Lancelin, Henri Weber, Alexandre Devecchio, on peut les applaudir ou les huer selon son cœur et son sentiment, mais je trouve qu'il y a forcément des choses à applaudir dans tout ce qui a été dit. Ce n'est qu'un début, vous le savez, notre marathon radiophonique sur